Bonjour, Blandine de Maillard, conférencière et blogueuse pour le blog Même Pas Peur. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'être accueillie par Caroline. Caroline, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours et où est-ce que tu en es rendue aujourd'hui? Merci Blandine, avec grand plaisir. Alors, Caroline Cotzi, je suis vice-présidente exécutive et directrice générale pour l'Est du Canada chez Sira Services Médicaux. Je suis également la fondatrice de la gouvernance au féminin depuis 2010. La gouvernance au féminin qui est un organisme à but non lucratif dont l'objectif est d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer leur carrière et à siéger sur des conseils d'administration. Donc, la motivation, évidemment, à fonder cette OBNL est venue du fait que les statistiques étaient tellement alarmantes au Canada quant au nombre de femmes dans les organes décisionnels. Je me suis sentie interpellée à faire quelque chose et je suis depuis soutenue extraordinairement bien par une très, très grosse équipe qui est à non loin d'une cinquantaine de personnes maintenant qui contribuent sur les différents comités de la gouvernance au féminin. Voilà. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie qui t'a amené jusque-là? Alors, mon parcours de vie, écoute, est assez complexe, probablement par rapport à la plupart des femmes que tu interviews, tout simplement du fait que je suis née dans un pays qui est un petit peu plus compliqué que les autres pays comme le Canada où tout va bien. Je suis née au Liban, je suis née à Beyrouth quelques années avant la guerre. Donc, j'avais exactement 7 ans quand la guerre a éclaté et 22 quand la guerre s'est terminée. Donc, pendant ces 15 années-là, qui sont quand même des années charnières dans la vie de tout individu, on s'est retrouvé ballotté entre trois continents, entre la France, le Canada et le Liban. Et pendant cette période-là, sur 15 ans, nous avons fait 8 déménagements internationaux. Donc, j'ai jamais fait plus de 2 ans dans la même école, ce qui fait que quand on me demande souvent comment ça se fait que tu y vas tellement vers les gens et que tu es tellement extravertie, bah, ma foi, je pense qu'un parcours, une enfance et une adolescence teintée de ce genre de circonstances, voilà ce que ça donne. Donc, au-delà de tout ça, à l'âge de 17 ans, je me suis retrouvée seule à Paris pendant que mes parents étaient restés au Liban. Et malheureusement, sans le sou, parce que avec les difficultés que ma famille vivait au Liban, ma famille qui était à la base plus qu'aisée et qui a connu des difficultés avec la guerre, bah, j'ai dû me retrouver à avoir 2 emplois à l'âge de 17 ans pour payer mes études qui pour moi était essentiel. Il n'était pas question d'abandonner et de faire autre chose. Je voulais absolument terminer mes études et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis mariée très jeune, à 21 ans à Paris et à l'âge de 22-23, je suis venue vivre au Canada avec mon premier mari. Voilà. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai fait des études en ressources humaines suite à mes études en langue à Paris. Et plus tard, j'ai fait des études à McGill d'administrateur de société. Ça, c'est évidemment au moment où j'ai lancé la gouvernance au féminin et où j'ai voulu un petit peu plus m'informer sur le rôle d'administrateur de société. Comme tu as atteint un parcours et une position vraiment élevée dans les sociétés où tu as été, quels sont tes secrets pour avoir réussi? Alors, écoute, je te dirais qu'il y a... Il y a un secret qui n'en est pas un et c'est le travail. Ça, il n'y a pas de secret, c'est le travail acharné. Donc, celles qui veulent faire 37,5 heures par semaine, c'est très bien. Mais on ne peut pas aspirer à des postes de vice-présidence ou de présidence avec 37,5 heures par semaine. Malheureusement, il faut se le dire, c'est la vérité. Et ma mission étant d'encourager les femmes à se retrouver dans des postes exécutifs, mais sans raconter d'histoire, en disant les vraies choses, c'est-à-dire que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir l'ambition, il faut avoir le désir, il faut avoir la capacité, la résilience, la capacité de travailler peut-être plus fort que la moyenne des gens. Et puis, dans mon cas, la complexité supplémentaire résidait dans le fait que je me suis séparée alors que mes enfants avaient 7 et 9 ans et que je siégeais déjà sur plusieurs conseils d'administration et j'avais déjà un poste exécutif. Donc là, je m'inquiétais un petit peu de ma capacité à gérer les deux.
Et finalement, ce que j'ai fait, et que je recommande chaleureusement, pour moi en tout cas, ça a très bien marché, c'est que j'ai impliqué mes enfants de manière extrêmement intense dans tout ce que je faisais. C'est-à-dire qu'ils savaient sur quel conseil d'administration je siégeais, pourquoi je faisais ça. Parce que, évidemment, pour la plupart des cas, c'était pour la charité. Donc, pourquoi j'avais choisi telle cause de femme, pourquoi j'avais choisi telle cause pour les enfants disparus avec le réseau Enfants Retour à l'époque, etc. Et vraiment de les impliquer. Donc, mes enfants se sont retrouvés eux-mêmes bénévoles à un très jeune âge. Ma fille Elodie, à l'âge de 11 ans, était la plus jeune bénévole chez Enfants Retour. Mais à 11 ans, on est capable de faire un inventaire de petits oursons pour voir si combien on en a pour amener dans une foire pour les vendre. On est capable de changer les photos, malheureusement, des enfants disparus pour mettre des photos d'eux un peu plus âgés. Il y a plein de façons. Et puis, son petit frère Cédric a embarqué très peu après. Et ils sont maintenant impliqués, évidemment, dans la gouvernance féminine de façon très, très intense, mais aussi dans d'autres organismes. Pour la Société canadienne du cancer, ils sont sur le bal de la Jonquille, très actifs. Elodie gère d'ailleurs l'équipe de bénévoles et siège sur le comité. Donc, je dirais que pour moi, ça a bien fonctionné parce que j'ai également un petit peu laisser aller certaines choses que je trouvais pas si graves si, par exemple, les enfants devaient se faire un bol de céréales un soir parce que je ne pouvais pas rentrer. Donc, à partir du moment où on sait que les enfants sont en sécurité, qu'ils savent qu'on les aime, qu'ils ont l'écoute et que tout se passe bien, c'est-à-dire qu'ils sont actifs dans les sports, qu'ils ont des bonnes notes à l'école, qu'ils ont des bons amis, qu'ils sont bien entourés, on n'a pas à s'inquiéter. Il faut inculquer les bonnes valeurs et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. C'est certain que si j'avais vu quelque chose déraper, je me serais recentrée sur eux. Mais force est d'admettre que 10 ans plus tard, ils ont 18 et 20 ans et ils vont extrêmement bien. Ils sont tous les deux à l'université avec de super bonnes notes et déjà des emplois étudiants extrêmement gratifiants. Donc, ça a l'air d'avoir marché. Oui. J'ai une phrase que j'aime bien qui dit qu'en tant que femme, on a quelque chose à apporter de différent. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est certain. Moi, j'encourage les femmes à rester femmes, féminines. On peut être féministe, mais ça ne nous empêche pas d'être féminines. Et je pense qu'on a des qualités qui sont différentes des qualités des hommes et qu'on est extrêmement complémentaires. Et c'est pour ça, c'est ça la richesse des entreprises qui ont la mixité, qui atteignent la parité. C'est qu'ils ont des femmes avec leurs propres qualités, des hommes avec leurs propres qualités et qu'ensemble, on atteint vraiment une prise de décision optimale. Alors les femmes ont un certain nombre de qualités qui leur appartiennent. Par exemple, l'intelligence émotionnelle, c'est très féminin. Alors maintenant, on parle de moins en moins de femmes émotives, mais plus de leur intelligence émotionnelle et comment ça peut être justement perçu par les équipes comme quelque chose de positif. Donc l'empathie, la capacité d'écoute des femmes est extrêmement puissante. Évidemment, il y en a qui disent l'intuition féminine. Alors ça, on est d'accord ou on ne l'est pas, mais c'est aussi quelque chose à prendre en considération. Puis les femmes sont très méticuleuses. Alors les femmes, ça vient probablement d'un gros défaut qu'elles ont, qui est cette espèce de manque d'assurance et de manque de confiance en soi, que je vois comme un gros défaut parce que ce n'est pas synonyme de succès. Mais par contre, ça les pousse à se préparer de manière tellement méticuleuse, à faire leurs devoirs encore deux fois plus que les hommes. Et donc, autour de la table, elles deviennent un interlocuteur privilégié, elles posent les bonnes questions, elles sont allumées sur le sujet. Et je pense que ça amène le conseil au complet, ou le groupe qui est autour de la table, peu importe lequel il est, à se positionner à un niveau plus élevé, parce que les hommes, voyant ça, vont également devoir se pousser un peu plus au niveau de la préparation. Donc ça élève un peu le niveau. Ça élève le niveau. Et la deuxième phrase que auquel je crois, c'est que les femmes sont souvent beaucoup plus puissantes que ce qu'elles ne croient. Qu'est-ce que toi? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Et justement, cette fameuse modestie féminine et ce manque de confiance ne sont vraiment pas justifiées. Parce que les femmes ont une force, une résilience et un courage extraordinaire, accomplissent des choses incroyables, mais c'est cette espèce d'éducation qu'on a reçue qui nous fait penser qu'on n'est pas aussi bonne, qu'on ne l'est vraiment, qu'on ne peut peut-être pas. Moi, je dis toujours arrêtez de dire aux petites filles qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent dans la vie, parce qu'elles n'en avaient jamais douté.
Alors, pourquoi on arrive avec ces choses d'adultes, ces préjugés, ces idées préconçues? Non, les femmes peuvent énormément. Mais maintenant qu'elles commencent à en prendre conscience, je pense qu'on va avoir de plus en plus de modèles inspirants. Si tu avais un seul message à dire à chaque femme, et chaque homme aussi, pourquoi pas, qui nous regarde. Oui, chaque homme. J'espère qu'il y aura des hommes qui nous regarderont. Ça serait quoi? Alors, ce que je dis, au risque de me répéter pour ceux qui ont entendu d'autres entrevues, mais ce que je dis toujours, qui est clé, c'est vraiment la résilience. C'est la capacité à surmonter les petits bobos quotidiens qui nous arrivent à tous, et même les plus gros bobos qui vont nous arriver parce que la vie est longue, parce que la vie est parfois difficile, parfois surprenante. Et si on ne se relève pas, ou si on prend du temps à se relever, ou si on se relève mal, c'est là qu'on verra toute la différence entre un leader ou une leader qui pourra aller très loin et une personne qui n'a peut-être pas vraiment sa place parmi les leaders, parce que dès qu'une difficulté survient, cette personne-là n'arrive pas à composer avec. Alors je dirais résilience parce que aussi les gens autour de nous ont besoin de ça. Si chaque fois qu'il nous arrive une petite difficulté, on ramène ça au bureau ou vice-versa, on ramène ça à la maison, ça devient lourd pour tout le monde. Alors résilience, positivisme et optimisme, comme je l'ai dit toujours, courage et puis les autres. Mettre beaucoup d'emphase sur les autres, implication communautaire, faire une différence, choisir une cause. Je veux dire, c'est chacun sa cause, mais quelque chose qui nous tient à cœur et on peut tous faire une différence. Donc c'est essentiel et ça fait tellement du bien, je pense que ça nous fait encore plus du bien à nous qu'à ceux qu'on aide. Donc il faut le faire. Et en plus, je ne parle même pas de tous les avantages que ça apporte à chacun en termes de réseautage, en termes de contact, en termes de rayonnement. Donc ça, c'est les petits bénéfices connexes. Oui, qui viennent à côté. Merci beaucoup Caroline pour ce temps que tu nous as accordé. Et puis on va souhaiter une très bonne journée à vous qui nous regardez. Merci Blandine, à très bientôt. Au revoir.